On est très heureux et je tiens à remercier bien sûr le président et Louis par rapport à la possibilité qu'ils nous ont offert de bénéficier de conditions exceptionnelles. Bon, bien entendu, la situation géographique nous permet d'avoir un climat et un peu de soleil, c'était l'idée, c'était une des clés aussi dans la recherche de ce stage. Et aussi on bénéficie, que ce soit en hébergement et en conditions d'entraînement, d'installation vraiment irréprochable. Donc voilà, ça c'est déjà un élément très très important. L'année dernière, à un moment donné, avant d'aborder les 8 derniers matchs, et autour du 20 mars également, on avait décidé de se réunir parce qu'on était un petit peu... On avait le sentiment qu'il fallait relancer un petit peu la machine, qu'il fallait resserrer les liens pour rester dans la course à la montée. Mais cette année, c'est un petit peu la même idée, mais dans l'optique du maintien. Parce que je crois véritablement que notre état d'esprit, notre confiance, notre optimisme, notre fraîcheur mentale, c'est ce qui fera la différence dans ces 8 derniers matchs. Il faut être prêt à beaucoup souffrir encore. La quête du maintien passera par des moments encore difficiles, mais il faut garder beaucoup de bienveillance, beaucoup d'optimisme autour de ce groupe. Donc c'est vraiment important pour ça de se retrouver dans un environnement différent, de se retrouver 4 jours de rang tous ensemble au quotidien, parce qu'on est tous très 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 motivés pour atteindre l'objectif du maintien. On va le faire parce que nous croyons pouvoir le faire. Et il faut que tout le monde ait ce ressenti. Et il faut que ça transpire par rapport à tous les gens qui aiment les stacks. Cette croyance, on a énormément apprécié le soutien que l'on a connu lors du déplacement à Amiens. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la manière dont a été pris ce point du match nul. On a senti que les gens avaient pris ce point comme un résultat positif, même si on n'était pas loin de pouvoir l'emporter. Mais c'était stopper cette hémorragie, notamment des matchs à l'extérieur. Et les gens nous ont soutenus. On s'est sentis encouragés. Donc voilà, félicitations aux gens qui nous soutiennent jusqu'à maintenant. Et de toute façon, le mot-clé, c'est ensemble. Ensemble sur le terrain, ensemble joueurs et staff, ensemble club et supporters. Le mot-clé, c'est ensemble. C'est ensemble qu'on y arrivera. Beaucoup de matchs ont montré que notre place dans ce championnat Ligue 1 n'était pas du tout usurpée. Donc voilà, on a toutes les raisons d'y croire et effectivement, comme tu disais dans la question, de garder confiance.